Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci pour votre patience, pour ceux qui sont arrivés il y a un peu plus d'une demi-heure. Comment ça va? Ça y est, on y est. Moi aussi, je vous aime. Et toi, Olivier, comment ça va ce soir? Qui es-tu d'ailleurs, Olivier? Parce que tu Donc moi, je suis Olivier de votre boîte mail. Je suis content de vous rencontrer en chair en os, de retrouver beaucoup d'entre vous. Je suis le fondateur de Cogiton qui organise des séminaires créatifs à la campagne et puis l'un des co-organisateurs de cette soirée. Comment je me sens, Caro? Du grand Momo. Ouais, je me sens bien. Il y a une petite excitation un peu comme celle des premières fois. C'est pas exactement ce qui va se passer, je sais pas exactement ce qui va se passer. C'est magique de pouvoir goûter à une première fois. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, c'est une première fois ici, sur ce thème, avec ces intervenants. Vivement qu'il y en ait beaucoup d'autres des premières fois et qu'on puisse se dire que tout est neuf, là où parfois... on se tourne un peu vers le passé et qu'on se dit il est trop tard. Là, ce goût de la première fois, il me fait dire tout est encore possible. Je me sens avec ce goût de la première fois et puis je me sens aussi soutenu par les copains. Si vous avez été invité ici, c'est peut-être parce que vous avez reçu le mail d'un copain, d'une copine qui vous a dit « Allez, viens ». Elle me plaît bien, cette énergie du « Allez, viens ». Je crois que ça répond à mon besoin de me sentir épaulé, soutenu. Et puis, je crois aussi que je me ressens porté, pas juste par vous, mais aussi par un mouvement plus grand que moi, plus grand que nous. Dans le titre de cette soirée, il y a « Prendre soin de la planète ». J'ai l'impression que dans ce « Prendre soin de la vie », il y a un effet miroir où la vie prend soin de nous. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accro, tout va bien... Ouais, je suis content que la vie prenne soin de moi. Voilà que je me sens, Caro. Et toi, d'où tu viens et comment tu te sens? On ne l'a pas du tout préparé. Alors moi, je m'appelle Caroline. Ça fait quelques années que je m'engage dans des projets qui font du bien à la planète. Disco Soup, Make Sense et d'autres. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Comment je me sens, Olivier? Alors je ne vous cache pas que j'ai un peu le stress. D'autant qu'évidemment... on a c'est bien préparé... C'est filmé, c'est sur Facebook. Là, tout le monde te regarde. C'est ça, c'est TF1 et M6. Je me sens un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est vrai que ça s'est fait un peu en impro. Donc ce soir, on va pas mal improviser ensemble. Mais je suis ravie d'être là. Je me sens très émue d'être parmi vous parce qu'il y a beau avoir du monde. Là, tout de suite, maintenant, j'ai l'impression qu'on est en petit comité, que c'est hyper intimiste et je me sens hyper bien du coup. Et je me sens pleine de gratitude parce que ce soir, on va avoir la chance d'avoir un panel d'intervenants qui, moi, à titre personnel, m'ont énormément accompagné dans mon chemin et inspiré depuis quelques années. Et ils sont quasiment tous là. Donc merci à eux d'avoir fait le déplacement. Merci à la vie. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment. Comme vous pouvez vous imaginer, on n'est pas les seuls à avoir Là, on voit mon crâne. Savoir. Ah, voilà. Ah, alors, le saviez-vous, Olivier était chez le coiffeur il y a 2 jours. Pour ceux qui l'ont vu il y a 1 semaine, notez la différence. On a les photos. Alors évidemment, on n'est pas tout seul parce qu'une grande fête comme ça, ça ne s'organise pas à deux. Donc un grand merci pour introduire cette soirée à tous les co-organisateurs de ce rassemblement. Donc vous pouvez en voir certains sur ce slide. Un grand merci à l'équipe de bénévoles, donc tous les chapeaux disco et les autres. Important. Très important à mes yeux de vous dire que cet événement est organisé à 100% par des bénévoles. Voilà un tableau qui montre un peu la diversité des organisations qui ont décidé de s'investir en plus de leur travail sur ce sujet entre guillemets bonus. Et puis derrière les organisations, il y a des personnes. Allez, je fais apparaître Vandana Shiva, que certains d'entre vous ont vu dans le film En quête de sens. Corporation is a fiction. Derrière l'idée d'une organisation, d'une entreprise, il y a des humains, des camarades de jeu.
Et voilà certains de leurs prénoms. On est plus de 150 à avoir dédié une partie de notre temps, en plus du boulot, à vouloir voilà, faire ensemble, vivre ensemble. C'est un projet qui est né il y a 6 mois dans une forêt à côté de Paris, à Millemont. Et puis, on s'est revus depuis. Je voudrais remercier, pas les 150, mais une pensée particulière de ceux qui ont donné beaucoup d'énergie dans ces derniers mètres, notamment à Séverine, notamment à Anne, qui ont fait un travail de direction artistique et de direction technique super. Merci aussi à Anaïs de la maison d'édition Bellefond, qui fait un super travail. Et puis pas que nos amis parisiens, parce qu'on a aussi des événements qui sont prévus cette semaine à Nantes, à Bordeaux, à côté de Niort, à l'Espace Totem. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui ont décidé de faire un peu plus que leur boulot. Les tailles des Nantes, parce que tu as des chouchous ou ça n'a rien à voir du coup? Bah en fait, au-delà du chemin personnel qu'on a pu vivre à 150, merci à vous. Voilà un nuage de mots-clés en forme de terre qui est fait à partir de vos prénoms à vous. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de vous être dit, bah tiens, vendredi soir, 12 octobre, de 17h à 22h, je vais rencontrer d'autres humains. Et puis, on va voyager ensemble. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Merci. Et alors, en petit, sur le slide d'avant, il y a les prénoms Hugo, Nathanaël et Corentin. Merci beaucoup aux garçons qui vont nous accompagner toute la soirée. Alors, on va commencer ce grand voyage ensemble. On ne pensait pas avoir autant de monde de 17h. Donc, merci de vous être déplacés dès le début. Ça sera un voyage en deux arrêts, en deux temps. Donc là, on va prendre le train ensemble et commencer le chemin. La première partie, vous allez voir, on va aller plus sur, dans une énergie d'émergence jusqu'à 19h. Oui, cette première partie, elle est là pour rendre compte de la diversité des types d'actions, pour prendre soin de soi, de la planète et de la société. Qu'est-ce qui émerge en termes d'actions et d'où partent ces actions? Et puis la deuxième partie, perspective, elle sera là pour prendre un petit peu de hauteur et de se dire, bah, finalement, à travers ces actions, c'est quoi les grandes tendances d'évolution qu'on peut reconnaître? Et cette deuxième partie, elle sera à 19h45. Voilà, donc si vous avez bien calculé, ça veut dire qu'il y a une petite pause entre les deux. Donc entre 19h et 19h45, on vous a demandé dans donc les mails d'Olivier de rapporter un petit pique-nique, idéalement. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'éviter de sortir, mais de rester dans le Grand Rex pour picorer et déguster vos pique-niques. Pour ceux qui auraient oublié ou qui n'ont pas eu le temps, on a des petits snacks aussi à tous les étages pour que vous ne mouriez pas de faim. Et ce que tu appelles snack, c'est des délicieux amuse-bouches, oui. Sains, bio, locaux, faits bon avec amour. Bon pour la planète, évidemment. Merci. Et préparés avec amour. Franchement, là, on a tout dit ce qu'il fallait. Hein. Bon, bah. On commence? On y va. Tu as parlé de la traduction ou pas trop? Bah voilà. Alors, c'est un voyage. C'est un voyage qui va nous amener à aussi accueillir Satish Kumar qui parlera en anglais. Merci Satish d'être avec nous. Satish est très compréhensible en anglais. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous n'auront pas besoin de traduction. Pour autant, merci à Lingually, un des partenaires de l'événement, de mettre à disposition sa solution. Il y a une petite application gratuite à télécharger sur ton téléphone. On se connecte en Wi-Fi sur le Wi-Fi ouvert Translation. On télécharge l'application Lingually sur l'App Store, pas la verte, la noire. Et ensuite, on se connecte sur Lingually et sur la traduction. Et voilà. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait dire? Non, oui, très bien. Merci Olivier. Je vous propose donc qu'on commence le voyage.